Est-ce qu'il y a un jour où tu as été plus particulièrement fier de toi? Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Est-ce qu'il y a un jour où tu as été vraiment dégoûté par toi? Ouais. Et tu regrettes, bien sûr. Non. Je suis Johnny Hallyday. Je vais vous partager le film de ma vie. Quel est ton principal défaut? Je suis assez menteur. J'ai besoin de croire à mes mensonges pour arriver à les faire rêver, à faire croire aux gens ce que je leur raconte. Les gens qui aujourd'hui te disent « Ah Johnny, t'es le meilleur », si un jour ça marche plus, personne viendra t'aider. Fin des années 70, Johnny est au creux de la vague. C'était un has-been. J'ai des crises de cafard immenses des fois parce que je me sens seul, terriblement seul. Quand on atterrit au fond du gouffre, ça donne envie de donner un coup de pied et de remonter. Le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est quand je suis sur scène. J'oublie que je suis Jean-Philippe Smed. Je suis complètement ailleurs. Je suis plus exactement moi-même. Je suis plus là en fin de compte.